que ces attaques n'ont toujours pas été revendiquées. Les motivations des assaillants restent donc inconnues. En tout cas, ce matin, les habitants de Ouagadougou se réveillent encore sous le choc avec le cadre du Flintlock, un exercice continu. Nous avons fait beaucoup d'exercices. On a fait des exercices réels pour savoir les situations plus réelles. C'est le plus important de ce type d'exercice qu'on le Flintlock.